Bonsoir tout le monde, moi content avec vous pour porter pour vous toute nouvelle journée hein. Rapidement, mais plus gros point qui a dominé l'actualité. Hein. Au point journal La Soya, président de la République là, Jovenel Moïse, accompagné Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, visité au week-end passé à construction centrale, production courant électrique, les Iwa, visite ça, permet chef l'État évaluer avancement travail. Pendant même week-end, non, chef l'État et Premier ministre l'ont visité Boudon, deuxième section communale Ansdeno, département Grand-Anse, côté le ramassé doléances, population. Toujours en actualité, il y a une entente qui joint dans la chambre députée entre bloc politique APH, OPL, Vérité et Alliés, GPS, GPEP pour formation commission permanente, d'après député Pierre-Jude Destiné. Centre rencontre avec ETI, directeur administration fiscale CREDEF, à Paris pour réaliser un colloque international dans le PIA. Sauti 30 avril, arrivé 3 mai, activité ça a déroulé sous thème consentement à l'impôt et redevabilité, d'après explication directeur général Impoa, Miradin Morland, qui t'a parlé dans l'occasion 30e conférence lundi de la presse, ministère communication organisée jeudi. Dans l'actualité internationale, là, ancien footballeur George Weah prêté serment lundi 22 janvier comme président Liberia, cérémonie en déroulée devant 35 000 moun à stade Samuel Doé, dans Moronvia. C'est tout point ça, nous allons développer pour vous, pas débrancher Naptonet. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup. Wash. Désirable. The Alternative Insurance Company peut toujours chercher moyen pour nous faire sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia nous offre assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires, dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Une partie d'un corps pour payer pour assurance vie a retenu un compte spécial côté l'affaire intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui sort si bien urgence l'hôpital, pour frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. AIC créé assurance vie universelle pour être nous cas poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie n'est qu'aux dépenses qui vous faites de temps en temps. Grâce à assurance vie universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce que la travaille pour protéger vous et puis pour kembe confiance vous. Merci pour fidélité au Acte Télévision Nationale d'Haïti. Pour commencer, nous allons voir Conditions Temps avec Nicole François Selom. Salut à tous, avec un peu de plaisir, nous retrouvons aujourd'hui pour bulletin météo qui est en condition et sous pays. Et bien, nous allons apprendre ça à Konya avec différentes images au niveau région Caraïbes. Situation météo sous bassin Caraïbes plus ou moins stable aujourd'hui par rapport à un masse d'air qui n'est pas ni trop sec ni trop humide. C'est pour ça que nous parlons d'une humidité qui est plus ou moins relative au niveau bassin. Ça permet à ce que le temps soit plus ou moins stable sous la majorité de tout département, sauf il y a une région nord là qui a une chance pour toucher par quelques averses la pluie isolée pour assoyer. Hein? Mais après ça, tout le temps peut être plus ou moins sec pour aujourd'hui. Hein? Pour rapport avec les gens qui sont côté de l'eau, c'est encore un temps plus ou moins stable avec vent qui souffle de manière modérée.
pas de trop chance pour la pluie t'a touché pour presque avec les gens qui sont côté aujourd'hui. Température maximale est toujours aussi entre 30 et 33 degrés Celsius. Minimale l'a chuté jusqu'à 20 à soya. Donc encore chance probable pour nous dormir avec une nuit qui est réellement fraîche au niveau Port-au-Prince avec les gens avoisinant. Dans la page maritime, au niveau côte nord et puis côte sud pays, vent lui souffle réellement fort et vague montée jusqu'à 10 pieds au niveau côte sud, 9 au niveau côte nord pays. Et golfe de la Gonave également pas trop tranquille. C'est des vagues qui montaient jusqu'à 6 pieds, donc son mer qui n'est pas tranquille normalement au niveau golfe. Donc, nous avons des capitaines qui sont très prudents, qui ont navigué au niveau de toute côte pour aujourd'hui. Et pour nous finir dans la page astronomique, le soleil a couché jeudi en support au point, c'est 5h37, la levée demain matin à 6h25. C'était un plaisir pour moi d'être avec nous pour l'information. Merci pour attention, nous. Bon après-midi, excellente soirée. Président République la Jovenel Moïse remet yon valet 40 moulins diri ak 29 motos by agriculteyo nan valet la Tibonite vendredi 19 janvier. Chef l'État encourage association producteyo pour yo mette tête ensemble. Yon reportage Sabine Jean-Étienne ak Jean-Naël Duvernay. C'est un premier stock moulin diri qui vient remplacer ancien moulin yo qui tap fonctionné dans mauvais état. Sous 253 propriétaires, responsable choisi par tirage au sort 40 agriculteurs pour première étape ça. Répartition en fait à travers l'association qui sortit dans cette commune. Moi je suis content parce que moi je viens de moulin. Non, pensez pas, moi pensez que ça va être capable de réaliser. Parce que tout ça passe, on ne fait pas, mais je vais me pencher sur 4 caravanes paysans. Petit président, un grand merci. N'a dit tout pour monsieur ODVA, tout merci. Parce que yo te dit c'est magouille qui t'a fait, pas de pièce magouille qui fait. Tout le monde yo te chita en dedans, yo te fait tirage, malgré tout le monde yo t'a fait discussion, mais yo te vin rete yo fait tirage pour tout le monde te ka bénéficier. Toute localité qui gagne dans 40 moulins yo y'a ba yo pour yo te ka bénéficier. Même là, tout le monde qui va rejoindre yo, nous mettons point courage parce que nous tous avons joué moulin. Sénateur la Tibonite, Yuri la Tortue, applaudit l'initiative ça qui se résultat. Promesse président Jovenel Moïse te fait pour accompagner planteurs, agriculteurs et producteurs dans la vallée la Tibonite. Sénateur a expliqué gain l'autre travail qu'abra poursuivre dans le département la Tibonite là. Et ça qui est important, c'est que autrefois, yo te considéré seulement nous te ka travail. Je dis à président transformer nous tous en entrepreneurs. Ça veut dire que n'a travail et en même temps tout, nous c'est actionnaires d'entreprise. Et ça veut dire que c'est moun yo pou changer pour son nan ka changer. Et c'est ça fait jodi a nous fiers. Nous travail la voile. Petit petit, ben n'a privé côté nous voile. N'a privé parce que gen détermination et gen volonté pour travail la fête. À cause problème matériel pour agriculteurs fonctionner, 30% nan récolte diria kon krasé. Grâce à moulin moderne sa yo, problème nan résoud. Chef l'État a encouragé l'idée pour renforcer le regroupement association planteurs en dans différents blocs. Ça a aidé l'administration Moïse Lafontaine avancer plus vite dans le projet. C'est pour nous commencer le travail, nous-mêmes, pour prêter les moulins. Pour nous commencer à mettre tête nous ensemble pour nous faire usine tout. Parce que vous ne pouvez pas oublier. 50 000 hectares. Bon, on a dit, chaque usine a fait pour travailler sur 1000 hectares. Nous avons combien d'usines n'a besoin de valeur 50. Ça veut dire nous-mêmes aujourd'hui, qui nous a fait mouler. Je ne suis pas venu avec affaire usine pour mettre nous dehors. Jamais. Je suis venu pour m'encadrer. Je suis venu pour mettre nous en danger. Aujourd'hui, il faut nous commencer à parler ensemble. Pour nous commencer à voir comment nous mettre nous ensemble. 3, 4, 5 personnes qui ont moulin pour nous dire bon, on sorti dans le niveau ça. On sorti dans stade moulin pour aller dans stade d'usine. Et même gens nous aime faire avec nous pour moulin, c'est comme ça qu'on va passer pour l'usine. Ou rien comme qu'on va l'obliger, mais l'État, pour aller d'où jouer un crédit pour faire l'usine, qui va permettre que nous quittons aller la Tibonite, qui est correct. On va aller la Tibonite, côté monde pas obligé,
met direct tout roche dans sac. On va aller la Tibonite quand on pas pas obligé à bouillir du riz pour le vin jaune. On gagne usine pour capable jaunir du riz. On gagne bon genre système machine qui va mettre du riz dans sac. C'est ça que me gagne en tête moi et c'est l'invin pour nous. Chaque moulin ça coûte en valait $13,000. Il y a une capacité pour nettoyer entre 800 à 1200 kg du riz par heure. Mettre moulin ça pour rembourser coopérative la Kobza par morceau pendant 3 années à 0% d'awon et puis 0% intérêt. Jean nous t'ai annoncé le Nantitio, président République là, Jovenel Moïse, accompagné Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, visité au week-end passé à construction centrale production courant électrique Les Irois. Visite ça permet le chef l'État informé et puis évaluer avancement travail. Dans l'occasion, le président Jovenel Moïse mandé responsable chantier yo prend toutes mesures nécessaires pour permettre centrale électrique là commencer fonctionner dans délai qui était fixé. En suivre reportage Anne-Marguerite Auguste avec Michel Joseph. Centrale électrique Les Irois qui pourra l'utiliser vent et soleil pour produire électricité rentré dans cadre volonté administration Moïse Lafontaine pour respecter règles écologiques mondiales, pendant qu'il a exploité l'autre source énergétique qui permet de libérer tout pays à courant 24 sur 24. Président républicain Jovenel Moïse m'a des populations bénéficiaires pour payer courant yo pour permettre la centrale toujours exister. Un projet qui peut aller plus passer 1000 familles courant 24 sur 24, un projet qui peut aller tout pays en gros modèle qui dit que aujourd'hui, mais qui s'en prioriser. Lundi, nous voulons le soleil pour du courant, vent pour du courant, et nous avons un stockage de batterie, et puis un backup avec génératrice pour ça permettre que tout le monde dans le pays comprenne qui route que nous allons avec énergie 24 sur 24. Là. Parce que c'est pour un rêve, quand nous sommes en mois janvier, et nous dit dans le mois de décembre, nous 20 mois, qu'on y arrive 19 mois, et nous travaillons d'arrache-pied pour que dans 19 mois, pour payer ça, haïtien, les pas sont interrupteurs la caillou pour pas dire bon moi si gain courant, mais c'est pour passer pour ouais yo gain courant la caillou. Ça nous ouais là, c'est pas des bagailles, c'est pas la manne qui sortit dans ciel là tombé, sans pile j'ai faut qui fait d'ailleurs Van Clair. Ça là c'est partenariat public privé, c'est pas l'État, c'est pas quoi l'État là, c'est pour tout le monde clair dans ça. Le système qui est installé là, c'est pour nous clair, pour nous connaître que c'est des sociétés anonymes mixtes qui ont fait dans le pays qui permettent privé et public de mettre tête ensemble. Ça, c'est son premier modèle. Nous faisons un projet pilote, mais Jean nous dit là, appel à la manifestation d'intérêt qui passe depuis début semaine, il pourra permettre que tout le monde privé qui veut venir pour du courant dans le pays, ou qui doit venir pour du courant, pour distribuer le courant, pour faire collecte cobla tout. Courant pas gratis. Courant, ce n'est pas une ressource. Tant qu'on a dit, ou alors, mais à qui de nous, on prend de l'eau à la velle. Courant, c'est un pile d'argent dépensé pour faire courant. Moun, pour jouer le courant, il faut payer courant. Centrale moderne, ça a utilisé un système éolien avec segment qui gagne la donne chaque 36 turbines, 166 watts, avec un système soleil qui gagne 380 panneaux, d'après conseiller dans l'énergie président République. Il fait connaître l'infrastructure ça pour gagner une capacité de production 145 kW avec un moteur diesel 150 kW. Dans deux semaines, nous allons inviter Mounio à faire une demande compteur. Et compteur, en fait, il est déjà disponible. Et comment le système va marcher, c'est que nous avons un compteur à la CAELI, nous avons plusieurs agents qui vont dans toute la zone, qui vont le vendre courant. Donc ça veut dire qui ça? Un monde qui a 300 gouttes, un monde qui a 50 gouttes, un monde qui a 20 gouttes, au lieu de lâcher 20 gouttes de baleine, il doit tout de suite venir avec le monde qui a vendu courant qui a passé, il est capable de charger automatiquement et compteur. Et la bonne certaine unité sous contrat qui est capable d'utiliser. Donc, il a fait pour l'extrêmement flexible, même si vous avez 15 gouttes de la même si vous avez 20 gouttes de la camé. Mais ça qui est intéressant, automatiquement que l'unité est finie, vous n'avez pas accès à l'énergie. C'est environ 1000 familles qui ont pour bénéficier courant la CAIO dans la commune Les Irois. Divers monde dans la population zone saluer et puis remercier le président républicain pour la décision ça qui pourra permettre élèves l'école étudier plus bien et faciliter le développement de l'autre activité économique dans la commune. Dans la difficulté pour nous étudier, je dis
moi me senti fier par rapport moi quoi Jovenel Moïse jouer pour nous pour peuple Ziwa et me satisfait en pile et population satisfait en soi. Dieu soit loué kounya nous vinn gen ça il y a un système qui pour nous qui la caille nous et journée jodi a rêve là réalisé. Nous pas gagner assez moyen pour nous acheter lampe pour nous commencer travail même penser à cause des courants partie de semaine qui vient on commencer bataille et puis tout n'a lever tard pour étudier lever le matin étudier moi c'est à cause de ça n'a pas ton bonne réussite nous même avec courant ça permet nous étudier et travail permet que nous réussir les examens pour ton bon résultat. Ça son miracle lié pour nous en tant qu'élève en tant que mon Iroisien et ça rend que nous dit eh bien nous même en tant qu'élève qui en reto nous gagnons l'autre objectif si nous avons l'autre idée dans tête nous pas gagner l'idée pour nous travailler en tant que un président qui montre qu'il a une vision pour Haïti en tant que haïtien nous pas gagner possibilité pour nous dire bien nous même en tant qu'Iroisien nous pas quitter Iwa pour aller l'autre côté parce que nous gagnons bel projet ça qui rend nous réaliser quelques bagages qui est important pour la vie nous. Président République là expliqué centrale électrique les Iwa c'est un projet pilote il y a bien pour expérimenter dans presque tout pays a les croix courant route c'est principal moteur développement yon pays c'est pour ça chef l'état dit la continuer travail pour honorer promesse campagne électorale liyo. Le président République là Jovenel Moïse mandé directeur général EPPLS là Yvon Bisret reconstruit yon vingtaine kay moun yo déplacé qui était habité bo centrale électrique là yon décision directeur EPPLS là dit qui pas prend temps pour exécuter pendant li expliquer yo bral construit abri provisoire pour déplacer yo en attendant construction définitive kay yo yon extrait dans micro Anne Marguerite Auguste ak Michel Joseph. Il y a 700 logements qui sont construits et commune Iwa li concerné et côté ni sur site ça là nous gagne 17 familles qui délogées et bien nous gagne pour nous reloger et faire construire caille pour yo avec ces quatre visites ça et pour nous joindre terrain et puis pour nous construire logements pour nous ça et nous ça yo doit déplacer avant l'inauguration centrale électrique ça qui est pour le faire très bientôt alors c'est un cadre visite ça pour nous rencontrer avec magistrat et maire de la ville là et puis pour permettre que nous terrain tout à disposition pour nous construire logement pour reloger moun sa yo avant inauguration centrale ça qu'a fait là. Tout pas gagne un logement définitif mais n'a gagne un logement provisoire qu'a fait pour yo en attendant terrain à préparer terrain pour construire caille pour yo et que ce terrain ça nous gagne face là pour qu'a garder là mais gagne préparation qui vous faites pour terrain viabiliser qui pour permettre nous construire là-dedans en attendant. Si nous n'avons pas de temps construit pour tout le monde, nous mettons le reste pour nous dans un abri provisoire qui peut permettre que l'inauguration soit faite pour l'espace vide. C'est une construction qui est parasismique, anticyclonique, qui a respecté toutes les normes, qui a deux ou trois chambres à coucher, confort moderne, galerie et puis toilettes hygiéniques. Chef l'État et Premier ministre l'ont visité pendant un week-end à Boudon, deuxième section au communal Anse-Deno, département Grand-Anse, côté les ramasser doléances population. Chef l'État a profité de remercier la population et puis mandé le continuer à accompagner dans toute démarche pour porter changement. Esaïe Aurelius et Wilson Idoré, compte rendu. Visite a été occasion pour le président de la République, là, Jovenel Moïse, poser premier roche construction. Route deuxième section Boudon, dans la commune Anse-Deno. Route ça qui relie Bouc Anse-Deno à deuxième section Boudon, mesure 12 km. Tronçon ça qui pour qu'on y a en tête, trouvé dans mauvais état, ça qui empêche la population zone ça exploiter différents ressources liées. Construction route ça pral contribuer dans améliorer conditions la vie moun dans section communale Boudon à développement zone ça d'après chef l'état. Route là nous va mettre main là-dedans. Mais j'aime dire nous nous connaissons que la route de la deuxième section pour sortir en Anse-Deno pour arriver à Boricite là, c'est plus ou moins 12 km. Mais là, je parle avec le député. Le député a dit, président, pour le volume manger qui est dans la zone, la route là, totale pour arriver à Rouanet fait 23 km. Femme dit nous, pour aller voir une équipe technicien de travaux publics pour venir joindre le député. Pour nous garder ensemble 12 km là, ça l'a coûté. Reste 11 qui était là, ça l'a coûté tout. Gardez manger qu'a fait dans le pays, mais on pas qu'arriver la ville. Manger ça, on pas qu'arriver la ville pour être route. Manger ça, on pas qu'arriver la ville parce que pas de route pour paysans.
mais nous descendons. Je dis à vous, nous venons pour route, amis, les récolter et nous, pour jouer une route pour qu'on passe à qui nous. Nous venons pour une bonne crédit agricole, pour qu'on joue un crédit lors de jeu vers jardin. Les systèmes mini 7, c'est ça, que nous avons fait pour faire nous faire tout droit. Nous avons fait technique ça qui permet pour tout le monde, cacao qui a planté, yam qui a planté, l'âme véritable qui a planté, mais nous sommes capables de descendre avec le produit ça pour le vendre dans Anse de nous, dans Jérémy, dans Okaï, dans Port-au-Prince. Pendant le tapas de Rissel avec membres de la population, le chef de l'État a annoncé qu'il va continuer pour porter ses pôles par les paysans et les agriculteurs, section Boudon. Semences, matériel agricole, crédit et intrants agricoles, parmi l'autre bourrade, ils vont le joindre. Quand pile petit pan 4 mois là, nous demandons des routes, nous demandons des banques agricoles, nous demandons des crédits agricoles. Hier, nous faisons paysans dans la Tibonite bénéficier en prêt agricole à 0% intérêt. Nous comment ça veut dire? Zéro, ou pas payer au coût d'intérêt. Et je vais annoncer ça aujourd'hui dans la deuxième section. Premier ministre là, pour le tout ramasser. Depuis nous avons commencé à Tibonite. Parce que tout paysan c'est paysan, tout agriculteur c'est agriculteur. M'bral bla il sous tout pays a fait 0% intérêt supposé sur tout pays. Pas de question pour un paysan, besoin acheter un outil agricole, besoin acheter un train pour l'aller prendre coup de ponya. À travers ces visites, ça, chef l'État entend fournir garder jeune population à vivre et puis porter solution à ça à vivre comme problème. C'est moyen tout pour permettre président République là, Jovenel Moïse, évaluer commencement une série de travail sur terrain. Et puis encourager avancement. L'autre dossier dans le journal là, dans l'occasion 30e conférence lundi de la presse, ministère communication recevoir lundi 22 janvier, directeur général Impoua, Miradin Morland. Dans l'occasion, directeur général des GIA, Miradin Morland, présenté bilan réalisation équipe LIA dans l'institution ça pour exercice passéa, nouvelle mésie à disposition pour année fiscale là. Reportage Rachel Saint-Fort à Hervé Pierre. Collecter 50 milliards de gouttes, c'est prévision responsable direction générale impôts de GIA pour l'année fiscale 2017-2018. Là. Pour collecter l'argent, ça, directeur général impôts Miradin Morland, annoncé un ensemble de mesures qui visait permettre contribuables de payer plus bien et puis chercher l'autre secteur qui pas exploité, tant que le secteur littoral et fermier l'État, les gens qui exploité bien l'État qui pas payé taxes pour entrer yo dans le système. Nan. Pour l'exercice NIA, nous avons une prévision de recettes de prévision initiale de 33 milliards de gourdes. Mais nous connaissons avec question de budget rectificatif, eh bien, il était passé à 35 milliards. Malgré ça, nous avons atteint une prévision ça avec un écart positif, 33 milliards, nous faisons plus de 36 milliards. Pour l'exercice fiscal 2017-2018, étant donné que nous avons fait tout ça, nous avons fait comme et recettes pour l'exercice antérieur, c'est-à-dire 2016-2017, vous connaissez, c'est toujours, il y a toujours révisé prévision à la hausse. Il y a une banou, il y a une prévision de recettes au lieu de 36 milliards, devant une prévision de recettes de 41,5 milliards de gourdes pour l'exercice ça. Mais, nous n'avons pas même temps de budget rectificatif. Avec exigence temps fait nous, avec nous connaissons graisse cochon, capture de cochon jusqu'à présent. Gouvernement ou une nécessité pour nous collecter beaucoup plus de recettes. Eh bien, quand on parle à voilà, ce n'est pas question de 41 milliards. Encore, c'est 50 milliards de gouttes que nous baillons tête nous pour nous collecter pendant l'exercice fiscal. Ça. Et je dis, nous cibler l'autre secteur qui n'est pas exploité, pas fiscalisé pour nous chercher comme ça. Qui secteur? Pas de rien, pas de secret dans ce cas-là. Qui secteur me parle où? Secteur littoral là. Secteur moun qui c'est les fermiers de l'État. C'est la mise en valeur des biens du domaine privé de l'État. Tout moun qui gagne bien l'État nan men, ou ap exploité. Tout moun qui gagne terrain l'État nan men, ou ap exploité. Tant dans la zone métropolitaine que dans les villes de province. Et bien, n'a pas marché vers Mounsaïo. 30e barrette lundi la presse, là, c'est occasion pour le directeur général de GIA, Amira de Molon, parler sur plusieurs bâtiments déjà construits dans la ville provinciale qui respectaient exigences technologiques dans l'idée pour améliorer la qualité de service et offrir la population. Le directeur général là profite occasion pour demander à tous les citoyens pour faire une déclaration définitive d'impôt pour ne pas tomber en bas sanction la loi.
Nous gagnons des villas, nous pourrons inaugurer très prochainement. Je suis capable de dire nous que d'ici à vendredi 3 février, nous pourrons inaugurer un coquet bâtiment au Gonaïve. C'est la direction départementale de la Haute-Tibonite qui est totalement informatisée et qui tout gagne un centre CALDI dans le bureau ça, qui est prêt pour recevoir contribuables parce que nous avons des présidents à prôner qui sont des services de proximité. Nous t'étions dans ça, nous t'étions commencé à faire li, mais le président vient dans l'autre sens lui-même. Côté que, c'est là, dans le centre ça, où tu fais passeport, où tu fais matricule fiscale, où tu fais carte d'identification nationale, où tu fais extrait des archives, dans le même centre ça. Mande tout haïtien, sans distinction aucune. Nous, portes nous toujours été ouvertes, pour nous venir dans le DGI, venir produire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Parce que date d'échéance impôt sur le revenu, hein, c'est du 1er octobre au 31 janvier. Mirade Molan fait qu'on est DGI sur une bonne base sur le plan technologique. Il y a travail pour informatiser DGI totalement sur tout territoire. Et puis dans le système non pour combattre l'évasion fiscale, augmenter les recettes fiscales. Centre rencontre avec les dirigeants d'administration fiscale, CREDAF, à Paris pour réaliser un colloque international dans le pays, sorti 30 avril, arrivé 3 mai. Activité ça a déroulé sous thème consentement avec l'impôt et redevabilité. D'après l'explication du directeur général Impoa, Mirade Morlan, qui t'a parlé dans l'occasion 30e conférence lundi de la presse, ministère communication. Organisé jeudi, environ 90 délégués cap représenter plusieurs pays membres organisation a bien pour participer dans activité ça d'après précision directeur général Impoa. Il y a un extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Hervé Pierre. Nous connaissons CREDAF, c'est centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales. Moi-même cap par avoir là c'est vice-président CREDAF qui regroupe tout pays francophone de l'Afrique également la France, le Canada, la Belgique. Nous prenons gagner plus de 80 ou 90 délégués qui prennent rentrer dans le pays là. Non, pour nous capables de réaliser plus gros événements CREDAF là. CREDAF toujours fait des événements chaque année, trois événements parmi toutes ça qu'elle fait qui plus est important. C'est groupe de travail, séminaire et colloque. Nous réalisons groupe de travail là déjà. Nous réalisons colloque là déjà en avril 2016, si je ne m'abuse. Séminaire en avril 2016. C'était sur la question de fiscalité des industries extractives. Nous avons réalisé dans l'hôtel Royal Oasis. Mais aujourd'hui, si nous sommes vice-président CREDAF, nous allons réaliser le plus gros événement. Tout profiter de Kouala pour nous inviter. Nous mettons écrit ça, nous mettons note pour nous connaître. Du 30 avril au 3 mai prochain, nous allons réaliser l'événement ça sur les côtes des Arcadins, dans l'hôtel de Cameroun. Nous allons dire en pile monde, ce sera extraordinaire, qui va regrouper en pile pays, parce que nous sommes membres CREDAF, et que là, nous allons organiser là, ma présidente, CREDAF les uns, déjà invité nous pour nous venir en foule, pour nous venir en grand nombre, et que thème nous va le développer, c'est consentement à l'impôt et redevabilité. Consentement à l'impôt et redevabilité. Donc c'est thème ça que nous allons, sous thème ça que nous allons réaliser colloque là, nous tous invités. Nous arrivons au moment pour nous prendre en pause publicitaire, rebrancher Naptonet. Mambo, Amana, Full Punch, Salve, oui, Bamboyo
Chugo, c'est un produit saisonné. Ou bien pour faire un choix. Mais c'est où qui pour faire choix qui est intelligent. Un choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne. Avec machine agricole qui est plus performante. Avec développement plus route qui pour mener en pile. Objectif Lille Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. Lille Mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous reprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement société, quel que soit le domaine ou évolier, Lille Mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur tout appareil à toute machine. L'IPAP jamais la guerre dans route. Et l'ICE Patnel à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Nous tendons ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça au fin de payer, ça n'est pas bon même. Koulia, ça fait perdre des data avec des data limites. C'est celle qui celle qui va rouler illimité sur data avec limites. En effet, nous voulons prendre gros le roi avant d'y expirer et puis qu'il met tout ça au fin de payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel, la Koulia, et puis achetez plein gros lot par là. Digicel. Oh! Journal là à poursuivre, directeur général Conseil national télécommunications, Jean-David Rodney, exprimé satisfaction par rapport à Jean Lidi, l'Iwe population a été participé dans la deuxième édition Salon Économie sous Champ de Mars. 19 à 20 janvier passé. Activité ça a été occasion pour institution à mettre en valeur technologie, communication et puis montrer l'effort qu'a fait dans affaires technologie, information et communication en Haïti. Jean-David Rodney était dans le micro, John Herbie Casséus avec Henri Robert Chéry. D'ailleurs, le choix que nous avons fait de Champ de Mars là, pour nous faire salon pas étranger à objectif ça. Parce que l'édition qui était faite dans l'Hôtel Caribé, deux dernières éditions, pas à notre sens, à notre goût, et gagner un accès large à ça que Conatel a besoin de prouver, a besoin de présenter. Ouais. Et, par contre, avec le choix Champ de Mars, qui en fait gagne risque pas tout, nous avons privilégié la possibilité pour que élèves l'école, élèves l'université, tu es capable d'accéder à salon hein, et à différents produits et services que nous tapons et vitrinisés en dans salon ça. Un service phare, un kiosque phare que nous avons gagné en dans et salon ça, c'est ça nous relé bien. Nous bien c'est l'anagramme de borne d'inclusion à l'économie numérique. Okay? C'est une facilité que nous concevons pour permettre aux collectivités et agglomérations côté bien ça a implanté, permettre que collectivités ça a agglomérations ça a capable même accéder à outils technologiques de l'information et de la communication. Nous avons gagné tout et une démonstration de programme pilote que nous avons avec TNH d'ailleurs, qui est sur question transition analogique et vers le numérique. C'est un agenda que nous avons gagné pour nous poursuivre de manière résolue parce que l'IPRAL fait urgence pour que ressources que transition ça capable permettre de dégager en matière de fréquence pour nous permettre que d'autres services de communication capables de bénéficier de eux, que nous dégager ressources ça. Et il faut dire que le programme pilote ça que nous avons fait avec TINH là, permet nous, gain aujourd'hui là, on maîtrise de modalités techniques de déploiement de télévision numérique. Là. Sauf que le déploiement en masse là, l'IPRAL mandé et de l'autre politique publique, tant qu'on accès, par exemple, que différents ménages et foyers qui gagnent des télévisions analogiques, qui gagnent
et à télévision numérique là, on ne doit pas acheter un téléviseur numérique, mais là ça faut avoir accès à un décodeur qui vous permettre que télévision analogique là fonctionne en mode numérique. Yon l'autre bord, l'État haïtien pour qu'on bail aucun opérateur téléphonie permis définitif pour utiliser internet 4e génération 4G sous territoire national là. Dans ses déclarations, directeur général Conseil national télécommunication Jean-David Rodney fait lundi 22 janvier. D'après responsable Konatella, l'État haïtien te bail opérateur yo permis qui pour te faciliter yo essayer 4G seulement. D'après DG Konatella, permis ça a expiré depuis environ 6 mois. Jean-David Rodney était dans le micro John Herbie Casseus avec Henri Robert Chéry. Il y a eu une demande d'autorisation de temporaire pour tester la mise en place de facilité de quatrième génération. Nous bien dit oui, de facilité de quatrième. Mais pas une raison infrastructure nationale de quatrième génération, tant qu'au cahier de charge que nous-mêmes nous avons proposé à l'opérateur et deal. Bon, ensuite, 4G LTE a venu, ou gain un réseau métropolitain qui a 3G. Et puis vous dites, bon, faire upgrade là, parce que là, ça, on va pas améliorer la qualité de service, ou, etc. Mais l'infrastructure nationale de l'information, pas cantonnée là, ça qu'on voulait mettre dans la zone métropolitaine ou dans l'autre zone côté, et m'ta ka di ou capable commercialiser. Ouais, nous ka comprendre que opérateur yo aller non stratégie d'écrémage du marché côté KPO li installer une infrastructure là. Mais pour le pays, pour le gouvernement, infrastructure pas capable bâti sous base ces bénéfices que opérateur capable faire de et infrastructure de communication. D'où nécessité pour que il y ait des cahiers de charges qui baillent. Et cahiers de charges ont déterminé le coût et d'investissement. Et sous base ça, on a déterminé qui, nous avons dit, qualité, infrastructure que nous avons gagné globalement et puis bénéfices qui pral et associés à l'infrastructure. C'est une autorisation qui a été levée il y a plus de 6 mois. À mon arrivée au Conatel, il y a 8 mois de cela, après concertation avec le gouvernement, on a avisé de mettre fin à la période, à l'autorisation et provisoire. Question d'avancer avec les négociations pour l'octroi définitif de la licence. Les deux opérateurs ont gagné autorisation et provisoire de tester et non de commercialiser. OK? Et jodi a la, pour nous avancer avec question de négociation, yo, nous demandons aux opérateurs pour signer avec nous un protocole, d'accord, un memorandum of understanding, memorandum d'entente, qui t'a cadré et modalité de négociation. Sous question quoi, mais qui approche. Sous question de cahier des charges, mais qui ça m'a baillé. Mais qui ça? Si m'a ça, la poutre en temps, mais qui déduction, mais qui incentive pour bon moi. Ok? C'est comme ça. Nous, malheureusement, et nous pas arrivé à signer un protocole là jusqu'à présent parce que offre et opérateur, yo, c'est à de préférence pour aller vers une autorisation de commercialiser temporaire. Moyennant que yota, qui j'aime te ka dit ça, fait un dépôt de garantie sous ça que tu as gagné pour payer l'État sous licence là pour ça. Nous pensons que nous-mêmes que nous capables d'aboutir à brève échéance à contrat de concession. Question qu'a posé qui a un rapport avec ça, aurait les neutralité du net, service universel, ok, qui pourtant entre les services over the top qui a venu ou qui a cadré par des dispositions réglementaires, c'est ça qui fait universellement. Nous sommes d'accord sur le principe du contrat et dans ces dispositions fondamentales. Et puis, pour ce qu'il s'agit des dispositions que nous pas dit qui est accessoire totalement, et puis nous cadrons puis devant avec des textes réglementaires. On apprend en direction Palma Haïtien, ancien questeur Sénat République, là, Ricard Pierre, démenti toute parole qu'a parlé comme quoi
ancien bureau Sénat qui t'a gagné dans tête li, sénateur Yuri La Tortue, t'es mal géré premier trois mois exercice fiscal 2017-2018 là. Sénateur Ricard Pierre dit c'est seulement 25% dans budget Sénat yo dépensé. Sénateur Sidesla dit il y a tant d'instances qui concernées pour faire audit sous gestion bureau. Yon extrait dans micro Fédéral Confident avec Moïse Joseph Rulbrich. C'est en tant qu'ancien questeur du Sénat pour me répondre à un ensemble d'allégations qu'a fait par rapport à ancien bureau que me questeur la donne. Confiance ça fait suite à une note qui sorti sur les réseaux sociaux. Une note qui parlait de gestion chaotique du budget du Sénat, qui parlait de disparition de plusieurs milliers de dollars américains, qui parlait de matériel qui a acheté, qui pas à livrer, et qui parlait de vol de génératrice. M'a dit pays, Sénat pour exercice ça, tu as gagné un budget de fonctionnement de 2 milliards de gouttes. Budget ça utilisé à environ 25% pendant 3 mois qui sont passés. Ça veut dire sous 2 milliards de gouttes, il y a environ 500 millions de gouttes qui dépensés qui correspondent à 3 mois sur l'exercice là et était 1 milliard 500 millions de gouttes environ pour 9 autres mois. Sous divisé comme qui utilisé pour 3 mois ou après dépenses respectées le principe du 12e que loi sous comptabilité publique pays a établi. Et ou pas qu'à joindre en dans budget ça aucun côté il y a des dépenses qui dépassaient ça qui te correspond à disponibilité yo. Yon budget les institutions fait li voyel by ministère des finances même les budgets a voté un jour dans Sénat maintenant. Les finances à poster budget, les poster les gens parlent. M'a expliqué nous plus bien ça me l'a dit. Budget gagne 7 articles là-dedans. Et chaque article gagne plusieurs alinéas. Ou gagne doit mettre 100 goudes sur article 1. Ou mettez le sur alinéa 1 on mettez 10 goudes alinéa 1 2 on mettez 20 goudes etc. Les ministères finances a publié budget, elle mettez tout comme là sur alinéa 1. Mais gagne ça y aurait les dans comptabilité publique réaménagement. Donc c'est ou même à chaque fois suivant besoin moun capable administrer institution qui fait réaménagement en dans article, ou pas qu'à quitter article là, ou pas qu'à sortir dans un poil dans deux. Ou faire réaménagement en dans article là qui correspond à besoin institution. Étant donné que bureau monte que cela donne, tu connais. Deuxième lundi janvier, tu pral gagner un nouveau bureau. Nous pas faire tout réaménagement pour faire nous quitter possibilité pour nouveau bureau à lui-même faire réaménagement mais enveloppe là disponible près de 1 milliard 500 millions de gourdes. Donc en ce sens moi je veux faire pays à connait que pas de gagner cette gestion chaotique du budget que vous parlez dans notre ça. Le président bloc OPL Vérité ak allié, yo député Pierre Jude Destiné dit gen yon entente qui joigne ak bloc politique APH, OPL, Vérité ak allié, GPS, GPEP pour formation commission permanente yo. APH ta dwe gen 14 commissions, OPL Vérité 3 et puis reste 3 yo, GPEP ak GPS ta dwe partager yo. Yon extrait dans micro Fedner Confident ak Moïse Joseph Wilbridge. Nous avons un bloc APH là, qui a un niveau membre qui est vraiment élevé, qui passe 70 et côté yo réclamé des commissions qui est équivalent à nombre de membres yo gen inscrit ensemble avec yo. Et nous tout là nous te connaissons parce que pas gen caché l'ombre là dedans, nous te connaissons yo te réclamé et 14 commissions sur 20. Et il y a 6 qui étaient arrêtés pour le groupe minoritaire. Comme nous-mêmes, moi-même, c'est le président et le bloc Vérité OPL et Allié qui venait en deuxième position, qui a 17 députés. Et ensuite, l'autre monde. Nous-mêmes, nous avons réclamé 3 commissions sur 6 parce que nous avons gagné 17 membres.
Mais tu as gagné des négociations qui engagées à travers le week-end. Et je pense que quoi que tu aies en tête qui peut finir de joindre dans l'autre débloc, qui c'est GPEP et puis GPS. Donc, en tant que député, je crois qu'il faut que tu aies en tête qui joigne et m'espérer. Et en 20 journées, en tant que la fin joine pour séance là et capable de continuer demain si Dieu veut. N'a pas une autre pause dans le journal là, amis téléspectateurs, pas débranché. Sin tok tèt chat sa yo encore. Mais pa gen men, c'est sale caoutchouc qui sont dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. Ou a joine yo tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top taise, c'est fun wash, chire route, coche clou. Ah, gonne ti boule m'va jouer. Vend moi 4 caoutchouc d'homme. De quel gros cher oulé? Waouh! Top tire, c'est fun wash, chine route, poche clou. Nous retournons, amis téléspectateurs, sans perdre de temps, nous allons faire un petit coup de pied. L'autre bord de l'eau, ancien footballeur Georges Weah prêté serment lundi 22 janvier comme président Libéria. Cérémonie en déroulée devant 35 000 moun dans le stade Samuel Doé dans Moronvia. En suivre. Georges Weah, c'est officiel président pays Libéria. Après cérémonie investiture qui est organisée dans le stade Samuel Doé dans Moronvia, côté les prêté serment devant 35 000 moun. Georges Weah, ancien ballon d'or dans l'année 1995, fait qu'on est passé en pile temps dans le stade Sévré. Mais c'est la première fois qu'il sentit une émotion comme ça. Ça a 51 ans, Georges Weah fait dans Bidonville, Moronvia, mais il résidait en Europe. Pendant l'année côté guerre civile, t'a brassé Bill, pays Libéria. 35 000 personnes participaient dans la cérémonie investiture Georges Weah, côté était accompagné avec Mme Leclerc et Petite Lio, pour prêter serment devant le président de la Cour suprême, Libéria. Autorité judiciaire espagnole a mandé lundi 22 janvier à réactiver dossier mandat arrêt qui était lancé contre ancien président catalan Charles Puigdemont. Demande ça, vini d'un moment, Puigdemont a visité le pays Danemark. En suivant. Visite ancien président catalan Carles Puigdemont dans Danemark, jeudi lundi, pas fait autorité judiciaire espagnole a plaisir. Paquet général catalan mandé pour réactiver le mandat d'arrêt européen. Qui était lancé des anciens présidents catalans, Carles Puigdemont, qui toujours gagne accusation, rébellion et détournement de fonds qui pèsent sous dol. Dans niveau ça, jusqu'à ce dossier pour qu'on ait obligation pour l'agir, ça qui bat Carles Puigdemont assez de temps pour l'entrer dans le pays Belgique sans problème, côté il résidait depuis plusieurs mois. Malgré lui en exil, Carles Puigdemont candidat pour tourner dans tête exécutif catalan. Il fait qu'on est capable de diriger Catalogne à distance depuis le pays Belgique côté il résidait. Nous retournons à la CAI. Conseil national télécommunication lancé jeudi a un appel pour commentaire pour tout responsable télé et qui intéressé dans la transition analogue à numérique là. D'après responsable Konatel là, Jean-David Rodney, initiative ça doit permettre yogain disons tout le monde cap fonctionner dans le domaine non sous décision ça. En suivre. À partir de commentaires que nous bral recueillir, nous bral faire moi atelier de consolidation ou bien de restitution de commentaires qui pourra permettre que nous avancer vers appel d'offres qui gagne pour permettre nous faire plateforme de télévision numérique prendre corps et en dans projet ça.
parce que ou ka toujours gen plateforme yo, OK? Et s'agissant de politique publique que n'a parlé de par exemple d'accompagnement des ménages pour des décodeurs qui a permettre accéder à télévision, n'ta ka dit à numérique là. Donc li on l'autre étape en dedans et stratégie que n'te proposé a. Ouais. Et donc appel à commentaire là là, li disponible, stratégie disponible sur site Konatel là et tout concerné, tout intéressé par le programme transition capable à accéder à lui, soumettre commentaire pour que nous capables d'avancer vers atelier ça qui pourra le permettre que puis devant nous lancer appel d'offres pour mettre même dit on dit à échéance brève, OK, parce que nous avons plus que 2 ans plus que 3 ans depuis nous impliqués dans le projet et ça une fois que stratégie que nous à promouvoir valider consolider donc là ça n'a pas capable avancer vers et mise en place par voie d'appel d'offres de plateformes qui pral permettre que nous gagne plateforme numérique et à partir de là le déploiement sera effectif à partir de étape ça. L'autre point dans le journal, là, quelques organisations dans l'opposition politique l'ont manifesté lundi 22 janvier dans plusieurs rues, dans Port-au-Prince, dans l'objectif pour dénoncer mauvais propos président américain. Donald Trump a utilisé pour qualifier Haïti, Salvador et pays africains. Manifestation ça, tu es parti dans quelques zones Port-au-Prince, Tancourt, Belay, Saint-Jean-Bosco et Place Dessalines pour passer Kafou Payan à Kafou Aéroport et puis t'es tenté à l'bout tabac devant l'ambassade américaine. Non? En suivre. Parole de Saline, c'est nous qui parlons, le peuple haïtien. Où est-ce que ça nous fait? Nous pas seulement en conférence des micros. Nous commençons la manifestation depuis devant papa de Saline. Nous entrons Kafou Payan. Nous tombons Bel Air. Nous allons chercher la valasse. Nous tombons Kafou Aéroport pour nous venir avec Pétionville. Nous allons converger nous devant l'ambassade américaine. C'est nous-mêmes, peuple haïtien, qui t'allait de nous dans la savane pour nous prendre l'indépendance. L'envini, nous te goûtons encore pour nous quitter l'indépendance. Comme récompense, en 1915, nous occupons nous. Nous crassons la production paysan, nous crassons cochon créole, nous crassons la production café, nous crassons la production durée. Et finalement, nous avons la guerre fatra dans Gonaïve qui baille toute qualité de maladie. Partout dans le monde, l'important pour M. Trump. Qu'on est, c'est nous, même peuple haïtien, qui maman liberté. Avant l'année 1804, liberté c'était pour un petit groupe moun, quelques graines blancs. C'est nous-mêmes, peuple haïtien, qui te dit liberté faite pour tout le monde, qui tous ces nègres noirs, qui tous ces blancs, qui tous ces jaunes. Pendant qu'on a dit tout le monde sur la terre, qui levé campé pour condamner déclaration raciste, chargé avec préjugé, mouché Donald Trump. Merci. Comité suivi pour financement et institutionnalisation, parti politique, yo, non tête collée avec ministère économie et finance, remettre 4 chèques symboliques par quelques partis politiques. Chèque subvention Sayo qui sortit dans le trésor public là pour le renforcer groupement avec parti politique Sayo et puis faciliter yo gagner plus bon représentation dans l'élection yo d'après porte-parole COSFIP là Mathias Pierre. Reportage Sainte-Croix-Paqui avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. 13 partis politiques avec un montant mensuel situé entre 1 million et 6,6 millions. 11 partis politiques avec un montant mensuel entre 504 000 et 727 000 gourdes par mois. Et 14 partis perçoivent entre 199 000 et 437 000 gourdes par mois. Et 20 partis reçoivent entre 100 000 gourdes et 107 000 gourdes. Une liste détaillée par entité est annexée au rapport qui a été soumis au président de la République et au gouvernement. La loi de 2014 sur les partis politiques, dans son esprit, vise à récompenser la performance électorale.
pour qu'il y ait moins de contestation à son application, il faut de bonnes élections. Que seule une bonne loi électorale permanente et une machine électorale bien rodée peuvent garantir. C'est à ce titre qu'un ensemble de recommandations ont été faites pour améliorer le système électoral haïtien tout en renforçant le système politique à travers les partis politiques. Sur la question des élections, deux considérations majeures sont à prendre en compte dans la loi électorale. L'intégration des femmes dans les partis politiques. L'ensemble des partis politiques présents sont d'accord pour qu'il y ait plus de femmes dans les élections. Sans des incitations spéciales dans la loi électorale, cela se révèle difficile. L'administration Moïse Lafontaine, se voulant respectueuse de la Constitution, a prévu dans la loi de finances 2017-2018 les fonds nécessaires pour l'application de la dite loi. En ce sens, elle vient procéder aujourd'hui symboliquement à la remise des chèques du Trésor public aux représentants des partis politiques présents. Dorénavant et sur une base mensuelle, l'État haïtien interviendra pour contribuer au fonctionnement de tous les partis politiques répondant aux exigences de la loi. Par ailleurs, il sera créé, et le représentant du COSFIP l'a souligné tout à l'heure, il sera créé sous peu au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, l'entité prévue dénommée Centre pour le renforcement et l'institutionnalisation des partis politiques, dont le sigle sera CRIP. Cette structure aura pour mission de promouvoir et de faciliter l'institutionnalisation de la vie politique. Cette décision de l'exécutif haïtien vise à renforcer les partis politiques qui constituent l'épine dorsale de notre jeune démocratie. Ainsi sera aussi renforcé l'état de droit, car l'état de droit ne peut provenir que d'une vie politique assainie, renforcée et répondant aux normes et critères de fonctionnement d'une nation démocratique. Avant de fermer le journal, là, on a rappelé au pigot point actualité. Président République la Jovenel Moïse, accompagné Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, visité week-end passé à construction centrale production courant électrique Les Irois. Visite ça permet chef l'État évaluer avancement travaux. Pendant même week-end, non, chef l'État Premier ministre l'an visité Boudon, deuxième section communale Anse-Déno, département Grand-Anse, côté le ramassé doléances population. Toujours dans l'actualité, il y a une entente qui joint dans la Chambre des députés entre bloc politique APH, OPL, Vérité à Calier, GPS, GPEP pour formation en commission permanente, d'après le député Pierre-Jude Destiné. Centre rencontre à ETI, directeur administration fiscale, CREDAF à Paris pour réaliser un colloque international non pays, sorti 30 avril et arrivé 3 mai. Activité ça a déroulé sous thème consentement à l'impôt et redevabilité. D'après explication directeur général IMPOA, Miradin Morland, qui t'a parlé dans l'occasion 30e conférence lundi de la presse, ministère communication organisée jeudi. Dans l'actualité internationale, là, ancien footballeur George Weah a prêté serment lundi 22 janvier comme président en Liberia. Cérémonie en déroulée devant 35 000 moun dans le stade Samuel Doé dans Moronvia. C'est là que nous mettons fin dans le journal. Merci pour fidélité et attention. Bonne année tout le monde.